Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Je suis super content. J'ai été contacté il y a 15 jours en fait par une société de marketing et communication autour du golf qui s'appelle Landmark et qui m'ont envoyé un petit message pour me dire qu'ils aimaient beaucoup ce que je faisais au niveau des vlogs, etc. et qu'ils souhaitaient m'inviter à leur press trip golf du 2 au 4 juillet qui se déroule entre Ardelot et Le Touquet. Donc voilà, donc j'ai la chance et l'honneur et le privilège, je plaisante, mais donc voilà, donc je suis quand même vachement chanceux, je suis content. Et je vais pouvoir jouer Ardelot, parcours des dunes, 18 trous, filmé bien évidemment, je vais faire un vlog. Ensuite on va au manoir hôtel du Touquet, on dort là-bas, on prend le petit déjeuner là-bas. Demain matin on joue la mer, 18 trous, splendide, je suis super content. L'après-midi on joue la forêt et le lendemain on retourne à Ardelot et on joue les pins. Donc voilà, pour l'instant on est sur le golf des dunes à Ardelot. Toute l'équipe est là, donc c'est toute une équipe de journalistes britanniques. Donc bon, ça va me faire travailler un peu mon anglais. Hello Charles, nice to meet you. En plus ils ont un accent bien britannique tout ça, donc c'est un peu particulier. Ça va être vraiment fun. Et voilà, donc là je suis sur la terrasse du restaurant, je vais vous faire profiter de ce que je vois juste maintenant. Le trou numéro 1 et l'arrivée, trou numéro 18, c'est juste splendide. Et voilà, c'est ça les dunes à Ardelot. Donc je vais découvrir en même temps que vous. J'ai juste une fois accompagné mon ami et pro Georges Leriche au programme de Côte d'Opale, comme vous le savez. Mais j'ai jamais joué, donc là j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je vais peut-être aller vous présenter toute l'équipe, ensuite on va passer à table, petit practice, et ensuite c'est parti les gars, let's vlog. Vous allez m'entendre parler en fond sonore en fait, mais c'est un peu perturbant, désolé. Donc nous sommes attablés avec des journalistes anglais, et des journalistes français vont arriver, donc il y a un journaliste du Fairway Magazine, et un journaliste de Swing au Féminin, du site web Swing au Féminin. Et à table, il y a donc... Je vais faire un petit tour de table. Donc Manuela, à droite, j'ai un pro de golf. Différents journalistes britanniques. Le directeur du golf et l'architecte du parcours des dunes, qui a fait donc des travaux d'aménagement et que nous allons pouvoir constater cet après-midi. Donc pour l'instant, ça parle beaucoup du parcours, des aménagements qui ont été faits, etc. Mais ça parle beaucoup anglais. Donc moi, je comprends pas tout ce qui se passe. Pour être honnête, parce qu'ils parlent très vite, ils ont un petit accent, ils ont vraiment l'accent anglais quoi. Bon, voilà, ça va être cool. I think it's worth keeping. I think it's a tradition within golf that I think all the everything's modernizing, but I still think people like a boot. No, I agree. Yeah. It's very good because we get lots of young pros. Bon, c'est parti, la première équipe est partie et moi je jouerai avec ces messieurs. Vive la France! Voilà, c'est bien parti. On va partir des blancs pour profiter un maximum du parcours. Alors juste une petite chose, il n'y aura pas de shot tracer parce que ça va prendre beaucoup de temps et des contraintes entre guillemets horaires, désolé. Mais bon, avec la qualité d'image, etc., vous voyez la balle. Hein. Donc le trou numéro est un par 4 de 310 mètres des blanches. Alors idéalement, moi j'aimerais bien jouer un hybride ou un bois avant le bunker en fait. Pour pas risquer de me mettre dedans. Et ensuite, du bunker au green, il y a un peu plus de 110 mètres. Donc ensuite, jouer un fer 9 en montée, quelque chose comme ça. J'hésite même à faire un fer 5 et jouer un deuxième et jouer fer 5, fer 7 en fait, pour jouer safe. Mais bon, je représente la France quand même. Bref, on verra bien. Allez, c'est parti, à tout de suite. Je vais filmer mes partenaires. Comme dit précédemment, je vais jouer safe. Le bunker est à 220 mètres, donc j'ai aucune chance d'y aller, mais je joue un petit hybride. As I said before, I'm in the middle of a hook crisis. Beauty, it's a beauty. Un petit hook pour commencer, voilà. Je l'avais dit, non? Bonne partie. Merci beaucoup. Alors, à mon avis, moi, la première, elle va être là-dedans. Ah, ok, ici, là-bas. Tight last three. Yeah. Okay, good. Well, not so good, but at least we found it. It'll do. Cocorico. Bon, je suis content, on m'a balayé. Je l'ai juste fait sortir ici. Voilà, j'ai pas tenté quoi que ce soit. Là, normalement, je pourrais être sur le green en 3. Normalement. 113 meters. On est un peu à droite du green, mais je suis content, c'est un beau petit fer neuf là. Nous sommes en 3 ici, hop, voilà. Hey, well done. Wow, nice.
Le trou est un par 3 de 167 mètres des 166 mètres des blancs. J'hésite entre le fer 6 et le fer 5. Bon, de toute façon, si je fais des hooks, ça sert pas à grand chose, vous allez me dire, mais bon. Ouais, y a un peu de vent de face. Je vois que mes collègues ont pris des hybrides, etc. Oh. Oh. Yeah, under the buggy, Alex. Hello, Will. Hello, Charles. So, how are you? Come on. Trebian. So, my ball should be somewhere here. Should be around here, maybe up. I don't see anything. We don't. Donc, je me suis dropé ici, pas retourné là-haut, etc. On joue pas dans les règles, on joue un peu pour le fun quand même, hein, on est là pour s'amuser. Merveilleux. Thanks. Formidable. You are for me. Lovely. Lovely! Roll. Nearly. Good part for Come him. Come on. What? What? Is this solid gold, is it? Sorry? It's gold? Your putter? Huh? Not gold. Copper. Couple one tends to drag them left, but that's fine. Oh, nice. Trois. Very nice. Thank you. Je sais pas quelle est la pénalité quand on joue une balle qui est plus. Enfin, quand on se drop plutôt que de rejouer de là-haut. Enfin, bref. Bon, c'est bon enfant, c'est principal. Trou numéro 3, gros par 5. J'ai pas le métrage en tête. Donc désolé, je peux pas vous dire. Le seul truc que je sais, c'est que j'ai pris mon drive. C'est super large. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Great shot. Like that. Good, huh? Yeah. Like that. My friend, you know. Yeah. Yeah, that's the one. Chase it. Très bon. Well, I will not say that, but thanks. Thank It'll you. Do. That's one cut. Oh, that's way past. Yeah, that's a cool cut. Look at that. J'ai encore fait une espèce de hook, mais ça va. Comme elle est partie à droite, elle est revenue plein centre et elle était très très basse. Donc en fait, elle a dû prendre la roule et comme après ça descend, bah au final logiquement elle devrait être longue et au plein milieu du fairway. I'm just saying that. It was not a particularly beautiful shot, but... Very effective. Yes. Sometimes we need some, you know. Yeah, a miracle. Yeah. What we need. Whoa, that's a roller. Yeah. Yeah. You see my ball, you said to yourself, oh, I'm going to do that like the Frenchman. Absolutely. Et ouais, parce qu'au final, avec ma balle qui roule à la con, j'ai fait une sacrée distance. Alors heureusement, elle n'est pas allée jusque dans le rough. On est juste là et le green est là-bas. Alors comment on va la jouer? Moi je pense qu'on va la jouer bois 3. Hein. On est là pour s'amuser. Encore un putt de 200 mètres. On verra où ça nous amène. À mon avis, on va être sur la partie gauche du fairway et juste avant le bunker. À mon avis. Parce qu'elle a été. Comme j'ai une tendance à hook, ça va pas du tout en ce moment. Donc ça roule, mais ça part quand même fort sur la gauche. Plus là, le fairway, tout est ramené sur la gauche. Donc bon, ça devrait pas être catastrophique, mais bon, c'est pas du golf quoi. C'est pas du golf. C'est un désastre. There is one here. Ok.
And one here. Okay. Oh wow! I don't know if I'm the luckiest one in the world, but did you see the ball over there? Just before the green. You know, rolling is a good technique. No, you're right. I'm gonna try it. Yeah, try. Alors, je sais pas si vous voyez ma balle. Elle est là-bas. Sorry. Alors voilà, ma balle est ici. Et le green est là. Comme d'habitude, je vais placer ma caméra ici. Oui, bon, j'ai eu un peu de chance, c'est vrai, j'ai fait que des roulettes et pourtant je suis arrivé là en 3. Frozen Eagle. Eagle. Oh. Oh. Nearly. Well done. Yes! Oh. Superb. French. Bon bah c'est un petit birdie qui fait du bien ça hein. Allez, pour part, bien joué. Waouh, superbe. Ouais. Fine, nice row. Nice row. I could have rolled on that. You love the camera, huh? No. I have to follow you. Yeah, sure. But start a big English fan club for you. Normally, I do French, but I think this one might be English subtitles. Yes, you know? I think so. Half French, half English. Half you know, exactly. It will be a long time, a lot of work for me, but I think I will do that. Oh, really? Yeah, for you to you can see, you know, and as long as you spell definitely. my name right. So Owen and Clive. Yeah. CLIVE, don't get it wrong. Juste, ma balle est juste là. C'est pas le top. Mais bon, au moins elle est en jeu. Je vais la rejouer juste ici et puis on essaiera d'aller sur le green en 3 et faire bogey. Come on man. Be good man. Ah, stop it. Oh, j'ai tapé un fer 8 un peu trop fort, elle est dans le rough en face. Je vais être sous les arbres, ça va être difficile à jouer. J'ai voulu attaquer, j'ai joué un fer 9 et je voulais vraiment revenir par au-dessus pour faire un fade et qu'elle prenne, vous voyez, qu'elle prenne comme ça le, un peu le sens du fairway. Mais au lieu de ça, j'ai fini dans le bunker. On va voir ce qu'on va pouvoir faire, mais bon. C'est comme ça en ce moment, je suis dans la période creux de la vague, hein, je vous l'ai dit.
Bon, un petit triple bogey, hein. Ça fait du bien, un petit set là. Un petit triple. Pas une très bonne sortie bunker, j'ai pris beaucoup de sable en fait. J'ai pris beaucoup de sable, donc la balle n'a pas du tout été éjectée avec... Puis après on approche, pas terrible quoi. Enfin bref, c'était pas le trou de l'année quoi. Par 3 de 128 mètres, vent de face, j'ai pris un fer 8. Là, je vais me réveiller, je sais pas trop à quoi c'est du look. Wow, super drôle. Très très haute. Ah, elle est pile poche sur le green. Nickel, elle redescend. Good shot, very nice. Bon, j'espère quand même que je vais réussir à faire quelques beaux départs parce que bon, même si on se marre bien, etc., vous savez très bien ce que c'est que de jouer au golf, hein. On veut toujours faire très bien. Bon voilà, 3 bogeys. 3 bogeys. Direction le trou numéro 6 qui est un par 4. Alors, trou numéro 6, c'est un par 4 de 368 mètres. Nice. Oh, he's in the middle, yeah? It's a shame. Sorry. Ah, c'est un peu embarrassant parce que j'ai beaucoup de chance. C'est indécent. Bon, j'ai essayé de la couper, elle est allée tout droit. Donc gros push ou pull, je sais plus. Vers les arbres de gauche. Et bah voilà, elle a tapé, elle est revenue tout plein droit, tout droit au milieu quoi. Voilà, Charles Lamourette, pour ceux qui connaissent et qui ont déjà joué avec moi. C'est honteux, je suis au niveau des... Je suis 20 mètres avant eux, mais je mérite pas du tout d'être là quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Je suis juste ici, les compères sont là-bas. Allez, on va essayer de faire un petit fade encore une fois. Puis voilà quoi. Bon, faut que j'arrête de faire les trucs de pro. Enfin de... Non. Il faut que j'arrête de vouloir faire les trucs de pro parce que... C'est plus embarrassant qu'autre chose. A few moments later. On est juste là. Le green est là-bas, donc... Je vais essayer de filmer comme ça. Hop, voilà, et on va essayer d'y aller, hein. Quand même. Il faut que j'arrête de vouloir faire les trucs de pro parce que... Nice. Donc ma balle est ici et le green est là. Mais bon, voilà, bien joué. Allez,
double bogey. Il y a des périodes comme ça, hein. On sait tout ce que c'est. Bon alors le trou numéro 7 c'est un par 3 de 111 mètres. Donc relativement court, mais il est très très bien protégé comme vous allez le voir là dans un instant. Avec un bunker qui, alors vous savez ce que je dis dans ces cas-là, qui dit pas bonjour quoi. Wow, congrats. Ça a été un petit peu court et sa balle a malheureusement roulé jusque dans le bunker. Le bunker qui ne dit pas bonjour. Yeah, exactly. I want to see what the bunkers are like. I do research inside. I never go in bunkers. Oh, sorry. Oh, please. Sorry. Là, on cherche ma balle. Donc, pour info, le green est là. Hein. Voilà. Et alors ici, en fait, c'est un green qui sert de greffe de peau un peu. Du coup, il prélève des bouts de ce green pour aller les mettre sur d'autres greens. Enfin, je crois, c'est ce qu'on m'a dit. Si c'est ça, c'est vraiment stylé. Ça fait genre de la chirurgie greenkeeping. Greenkeeping surgery. Voilà. Thanks. Alors, on est ici. Alors, ça va, ça le fait. C'est pas mal, on prend. Allez, c'est parti, trou numéro 8 par 5 de 465 mètres. Bon, bah là, il n'y a pas de question, apparemment. Clive et Owen l'ont bien compris. On sort le drive. Oh, superbe. Draw is your. Yes, a little draw, yeah. Sometimes a hook. Never. I know what it is. Yeah. And you held the pose as well. Oh yeah. It's okay. Kick, kick. Et juste là. Il y a un gros gros bunker. De toute façon là on n'est pas dans un jour où on va tenter quoi que ce soit. À mon avis ce que je vais faire c'est que je vais tenter un fer 5 pour quand même faire une bonne distance, enfin essayer en tout cas. Si j'étais sous un bon jour, j'aurais tenté un bois 3, mais là clairement c'est pas le cas, donc je vais rester au fer tranquillement. On va essayer de faire. A few moments later. Je vais prendre un hybride. And we drop one. Là j'ai tapé un fer 5, superbe, voilà, mais bon c'est le deuxième coup. Hein. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire depuis le début. Et mon hybride il a hooké complètement à gauche, c'est même plus du hook, c'est du boomerang. Truc de ouf. On doit être là-dedans. Ouais ça va être compliqué. Hein. You're sure she's gone so far? Voilà, bon bah, heureusement qu'on est plusieurs, parce qu'à chaque fois on cherche une balle. C'est assez... Voilà quoi. Tour special with a blue dot. You got one? Tour special. Yep. Thank you very much, Owen.
You're the one. Thank you very much. Merci. On est ici. Ok. Nous on est juste là, voyez. Hop. You're here in two? Yeah, it must have just kept rolling. Wow! Wow, wow, wow! Clive est là en deux, c'est assez incroyable. Moi j'ai vu ma balle. Hein. J'ai fait 3 sorties bunker, là je sais pas, c'est horrible. Come on, yes, come on, come on, come on! Oh! Disappointing birdie. Take a tapping birdie any day, though. Ouais, voilà, un premier drive qui décolle correctement avec un effet correct. Alors Owen, il a fait un petit top Golf Myris. Strixon 11. Yep, you are here. That's the one. That's the one. Okay, let me show you how to play this shot. Well, first of all, don't panic. You mustn't panic. Alors, premièrement, ne pas paniquer. No. I do the French translate, okay? Okay. What's French for shit? C'est de la merde. Well, we don't want to be too greedy here. Il ne faut pas être trop gourmand. Maybe 250 meters, something like that. Quelque chose de, comme dans les 250 mètres sera suffisant. Voilà. Little 7 iron. Juste un petit fer 7. We get on the green, that's a bonus. Et si on arrive sur le green, ce sera du bonus. That's wonderful. Right into the fairway. Thank you, Owen. Oh. Mon plaisir. My pleasure. Encore une fois, j'ai eu de la chance. Un bon coup. Oh my goodness. J'avais oublié à quoi ça ressemblait. Elle a même été un peu longue. Je suis dans le rough derrière le green. Shit. 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 Nice! On va essayer de faire un plan comme dans la télé. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'on allait essayer de faire un plan comme à la télé. Je sais pas ce que vous avez vu, mais moi j'ai une petite idée. Comme vous l'avez vu, j'ai loupé mon approche et ma balle est ici. Nice. Oh. Break some.
Alors ça, ladies and gentlemen, double bogey en étant en 3 à 2,50 m du trou. Que dire? Je rigole, mais ça me fait pas rire intérieurement, je suis... Mais c'est mon approche, jamais de la vie, je dois faire ça, je dois putter en fait. Je dois juste la pousser, la laisser descendre et puis voilà. Bref, allez, on va attaquer le retour, on va espérer que ce soit un peu mieux. On va voir. C'est parti.